8h54 minutes, j'accueille Thierry Samiti, bonjour. Bonjour Saskia. Alors aujourd'hui, je voudrais crier ma révolte. Je viens d'apprendre grâce à ma collègue Aliette qu'on avait supprimé l'enseignement de la flûte à bec au collège il y a 8 ans, en septembre 2008. C'était un si beau vecteur pour familiariser les élèves avec un instrument. Vous avez fait de la flûte à bec, Saskia ? Oui, enfin, niveau débutant 2. Hein. Moi, tous mes copains clarinettistes ont commencé par la flûte à bec. Xavier, vous avez commencé par la flûte à bec ? Ah non, j'en ai fait un petit peu à l'école, mais j'avais horreur de ça. Ouais. Et ben moi, tous mes copains bouchers charcutiers ont commencé par la flûte à bec. Je pense que ça a contribué à faire détester la musique à beaucoup d'enfants. Eh bien, je vais vous prouver le contraire. C'était un dénominateur commun comme le service militaire. Jouer à la clairefontaine devant la classe, c'était une façon d'être ridicule en public. Tout s'apprend. Démonstration. Je me souviens de Pascal Sekulski, pilier de l'équipe de rugby, 13 ans, 1m80, 120 kg, rouquin, frisé, rigolard. Lorsqu'il entamait à la Clairefontaine devant la classe, les murs tremblaient de honte. C'était un moment définitif, inattendu, parfois inconcevable, comme les frères Capuçon au Crazy Horse. C'était une façon de se dépouiller de notre pudeur boutonneuse, notre fierté adolescente, notre honneur juvénile. On aurait donné tout l'or du monde pour que ce soit pas notre tour, pour que l'école s'effondre, ou une alerte incendie, ou la sonnerie, enfin n'importe quoi. Thierry, s'il vous plaît, vous passez au tableau. Non, madame, j'ai pas ma flûte parce qu'elle était dans la voiture à mon père et la voiture a cramé sur la 13. C'est pas grave, Pascal Sekulski va vous prêter la sienne, je vous écoute. Je vous ai demandé la Claire Fontaine, sinon dehors, c'est clair. Oui, madame Fontaine. Bon, dehors, bureau de la directrice. Bon, Thierry, ça fait 3 fois que je vous vois depuis le début de l'année. Ça fait 3 fois de trop. Cette fois, vous allez me dire précisément ce qui s'est passé au cours de musique. Sinon, je vous exclus 3 jours. Donc, racontez-moi ce qui s'est passé précisément. Ah là 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 là. Il y avait tant de choses déjà à virer de l'école. Les cutters, l'irrespect, les clopes, les coups, les couteaux, les asymptotes, l'ennui. Finalement, on a viré la flûte à bec. On a viré la flûte à bec. Heureusement, on peut encore rêver, c'est bientôt les présidentielles. On peut rêver d'un président qui dirait « Partout nous trouverons un couteau, nous mettrons une flûte. » Un couteau ? Une flûte. Un coup ? Une flûte. Une clope ? Une flûte. Une insulte ? Une flûte. Un portable ? Une flûte. Une offense ? Une flûte. Thierry Samiti, on vous réécoute bien sûr sur francemusique.fr et puis on vous retrouvera vendredi à 19h au point virgule rue Sainte-Croix de la Bretonnerie dans le parcours du combattant, un one-man show musical. À la semaine prochaine. À très vite Saskia.